la jeunesse a du travail, des loisirs sains, elle ne va pas s'adonner à des loisirs malsains. Ce que j'attends des populations, c'est qu'elles se lèvent elles-mêmes pour bâtir leur cité. Personne ne viendra construire des dires à notre place. Si nous sommes là, c'est qu'il y a des maisons. Personne ne vit sous un arbre à dédier. Si chacun a pu se construire une maison sur les 44 000 habitants que nous avons, comment se peut-il que ces 44 000 habitants ne soient pas capables de construire une école de 3 classes? Donc, je demande aux populations de se mobiliser, de se lever pour que, avec notre propre force, nous réalisons notre avenir. S'il y a des appuis, si l'État nous accompagne, c'est tant mieux. Mais la construction des didiers, c'est notre affaire. Oui. Le coût global, c'est pas une histoire d'idées. On peut avoir un coût global, mais c'est des coûts globaux qui sont fictifs. La maison des jeunes est une infrastructure qui va nous coûter, pour la réalisation même des bâtiments, 15 millions environ. Mais nous avons déjà prévu d'inscrire au budget supplémentaire 2 millions pour son équipement. Parce que notre intention, ce n'est pas de construire un bâtiment qui va servir d'abri aux chauves-souris et aux hirondelles. C'est de construire un bâtiment opérationnel. Donc nous avons obtenu auprès du Fonds permanent du développement des collectivités locales les fonds nécessaires pour équiper la maison des jeunes pour un montant de 2 millions. Donc nous avons un coût global de réalisation de 17 millions acquis. La convention a été signée il y a à peine 2 semaines avec le Fonds permanent. Nous attendons de tenir un conseil pour prendre une délibération autorisant sa construction et lancer l'appel d'offres pour la construire. Ce n'est pas une première pierre fictive, c'est une première pierre qui va être appuyée d'autres pierres. C'est d'ailleurs carpoué, oui, nous croyons bien, c'est au sazuléyéné, au cou, bien guaré, nous n'avons pas besoin de gien, tant chez nous faut, moi gien on en est, aux uns, toi n'as un cas n'échappé, lui j'ai la main au cou, lui au corps gien, parce que nous y est n'engag, les gens j'ai jamais chez pompe na on y est, bon pompe na on y est, aïe aïe, le sol on y est, sol tient. Parce que nous avons un peu de temps pour nous.
Donc, banane sandoni. Non, l'osho, oui. Il y en a que sandoni. M'ba banane ya lycée nan de donne ya université non la lotan yon a l'an l'or. Et nous anna l'ouéli, na l'ouéli a da avane, ya yena ya genemane ya bjane. Banane sandoni, non l'on est chaud, non banane doise, non l'on est chaud. Bonjour. Merci. Effectivement, dans l'action communale, il y a un certain nombre d'actions qui n'ont pas pu terminer. C'est notamment, par exemple, la première pierre de la maison des jeunes qui a été posée aujourd'hui. Nous l'avons budgétisée, c'était partie de nos priorités. Heureusement que le maire entrant a eu cette considération à notre endroit pour donner cette priorité à cette maison des jeunes et de la culture. D'autre part également, nous avions des chantiers tels que au niveau du CSPS. C'est très important. Dans mon mot, j'ai dit, par exemple, la mairie a eu à subventionner le coût d'évacuation sanitaire. De 13 000, nous sommes passés à 8 000. Et donc, nous pensions, en tout cas, mutualiser cette santé-là pour qu'au moins, les populations aient beaucoup plus accès aux services sanitaires. Sur le plan éducatif, bien entendu, vous savez que, peut-être mieux que moi au niveau du Burkina, les statistiques démographiques dépassent un peu les prévisions. Donc on était en besoin de construction d'écoles en deçà. Et le maire entrant a su bien le dire, il faudrait peut-être également engager une action de construction de collège municipal pour désengorger également le lycée existant. Et d'autre part également au niveau de l'agriculture, c'est vrai que le sanglier quand même c'est le grenier du maraîchage. Et nous avions voulu, nous avons parlé également ce matin du barrage de Mouzoumou, la retenue d'eau de Mouzoumou, c'était pour venir accroître la production maraîchère et également la production de rizicoles. Mais malheureusement, le temps ne nous a pas permis d'engranger tout cela. Vous savez, les ressources de nos communes rurales sont très limitées. Il faut que les populations acceptent de payer les taxes. Il faut que les populations acceptent qu'il y ait l'élargissement de l'assiette fiscale. Ça, c'est un premier point. D'autre part, pour ceux, par exemple, qui n'ont pas d'activité et qui peuvent donner la main d'œuvre dans la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures, que les populations acceptent de s'organiser et venir en aide, sinon ce sera des 20 mots. Donc, le budget de la commune cette année 2013, avec l'ensemble des subventions de l'État, nous étions, je crois bien si ma mémoire ne me trompe pas, autour de 150 millions de francs CFA. Je suis un peu plus jeune.
Prenda, forma, yeah.